Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des Sims. Ce sera une vidéo sur le challenge de Pinstar, le challenge Wonder Child. Donc le principe du challenge est assez simple, il faut prendre deux Sims adultes, leur faire avoir un enfant et en faire le meilleur enfant possible en lui faisant gagner le plus de compétences, avoir les meilleures notes à l'école le plus rapidement possible, etc. Donc ce sera une première pour moi. Écoutez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va s'en sortir et que ça va vous intéresser de suivre cette aventure avec moi. Donc, on va débuter avec une nouvelle partie. Donc voilà, on se retrouve dans le CAS. Donc bien sûr, on va pas garder ce jeune homme. J'ai déjà présélectionné deux Sims pour ce challenge. Voilà. Hop, les voilà. Donc, voilà, ça ce sera ma Simsette et son colocataire qui j'espère va vite devenir un peu plus que ça. Donc par contre, j'ai relu les règles, il faut en faire des adultes et pas des jeunes adultes. On vérifie qu'ils soient bien colocataires, voilà, c'est parfait. Je leur ai présélectionné aussi des aspirations pour m'aider un petit peu. Donc voilà, Céleste veut devenir un super parent, elle est créative, c'est un génie et elle est proche de sa famille. Et pour John, que je rappelle, vous pouvez retrouver sur ma galerie, lui, il veut une grande famille heureuse, et il est actif, romantique et aussi proche de sa famille. Donc, on va aller leur choisir une petite maison et puis on va tâcher de les faire se rapprocher un petit peu. C'est parti! Alors, comme j'aime bien la ville de Windenburg, on va aller les faire emménager là-bas. Donc, dans ce challenge, il n'y a pas de taille minimum de terrain ou de maison, quoi que ce soit. On pouvait les faire emménager sur n'importe quel terrain, ou maison déjà construite, ou bien maison de la galerie. Donc, c'est vraiment au choix. Étant vraiment très mauvaise en construction, je vais prendre une maison déjà construite. Hein, ça évitera les problèmes, et je vais prendre cette petite maison, ma foi, qui est sympathique, il y a deux chambres, il y aura déjà la chambre du futur Wonder Child. Donc on est parti pour emménager dans la résidence rustique. Oui, avec des meubles, c'est mieux. Donc voilà, nos deux Sims viennent d'emménager et la première étape, ça va être de les faire se rapprocher suffisamment pour débloquer les interactions romantiques qui leur permettront de mettre en route leur premier enfant. Donc, allez, on est parti. On va commencer gentiment. Voilà. On va attaquer un petit peu. Bon, on sait qu'il est célibataire, mais ça fait pas de mal de redemander. Voilà. C'est bien. On va continuer les actions romantiques. On va changer un petit peu de perso. Ah, il n'est pas content. Bon, on va essayer de les faire. Ah bah ça commence mal cette histoire. Hein. Ils sont pas prêts de nous faire un môme, hein, ces deux-là. Bon, ok. J'ai peut-être été un peu rapide en besogne. On va commencer par discuter.
on va faire connaissance. On va être sympa. Demander comment s'est passée la journée, ça peut toujours être sympa. Donc c'est bien, ils sont tous les deux embarrassés, donc je sens que ça va être sympa cette histoire. J'ai tellement l'habitude de créer deux Sims qui sont déjà mariés que j'ai pas toute cette difficulté habituelle. Donc c'est vrai que d'habitude je me prends pas la tête, ils sont déjà mariés. Enlacés, un petit bisou et hop, c'est parti. Donc voilà, on va continuer. Bon, j'aimerais leur faire disparaître le moodlet embarrassé, histoire de... Qu'est-ce qu'il peut faire? Une blague autodénigrante, toi aussi, pour essayer d'avancer un petit peu. Et partir sur des interactions un petit peu plus intéressante. Bon, elle est toujours embarrassée. Bon, c'est pas gagné quand même, hein. Allez, on va continuer à être sympathique. Amicale toujours, conversation profonde. Amicale. Demander comment s'est passée la journée et je pense qu'on va peut-être pouvoir repartir sur des interactions amoureuses. Donc, allez, on change de Sims. On va essayer de se complimenter déjà. On va voir. Oh. Eh ben, elle est pas commode, hein. On va essayer. On va essayer. On va voir s'il accepte le compliment. Ah bah, il est moins farouche qu'elle déjà. Hein. Donc on va rester sur lui. On va le draguer. Voilà, il est clairement plus réceptif que la demoiselle. On va continuer sur cette voie-là. On va essayer de s'enlacer. Quand tu veux, hein. Voilà. Ah, voilà. Il commence à avoir un début d'interaction romantique. On va continuer sur cette lancée. Allez, hop, draguer. Allez, les gars, on se dépêche. Complimenter. Le but étant d'arriver à un niveau de relation amoureuse suffisant pour qu'il puisse aller faire un bébé, le fameux Wonder Child. Enlacer. Ça monte doucement, doucement. Ce serait bien qu'il passe en jôleur. J'aurais plus envoyé un baiser. C'est sympa. Les voisins n'ont pas l'air contents. Voilà. Oh bah, génial. Il offre des roses de lui-même maintenant. Premier baiser. Je pense qu'il est temps. Un petit bisou. Nickel. Ah bah, j'avais peur, on partait plutôt mal, mais... Mais du coup, là, on est... On est sur des meilleures bases. Alors. Allez, embrasser. Ce serait pas mal si on pouvait lancer la conception du Wonder Child dès le premier jour. Ça nous mettrait un pied... un bon pied dans le challenge. Et voilà.
Donc, on va essayer de faire un bébé avec John. En espérant qu'il nous mette pas un vent. Non, il a l'air plutôt open. C'est quand même rapide la vie dans les Sims, hein. Il n'y a pas 2 heures, ils se connaissaient à peine. Et maintenant, ils sont sur le point de faire un bébé. Un petit crac-crac sous la couette. En espérant que ça prenne dès le départ. Je savais qu'il finirait par bien s'entendre. Donc maintenant, on va aller vérifier ça immédiatement. Enfin, dans quelques secondes, quand elle sera décidée à sortir de sous la couette. On va voir si ça a été payant ou pas. Magnifique. Le Wonder Child est donc en route. Elle va aller lui annoncer, comme à chaque fois. Il n'a pas l'air super ravi, mais nous, ça nous arrange. Donc voilà, j'ai décidé pour ce challenge de pas les faire travailler. Parce que voilà, l'argent, c'est pas lui le principal et j'ai besoin qu'il reste à la maison pour s'occuper du bébé. Donc je pense que je vais leur acheter un chevalet et leur faire planter quelques fruits et ils vivront avec ça parce que voilà, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent et la maison est déjà là, déjà meublée. Donc on va un petit peu se faciliter la tâche et puis avoir 2 Sims adultes à la maison pour améliorer les compétences du futur bébé, ce sera pas du luxe. Donc bah écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui ce challenge. Je pense qu'on a déjà pas mal avancé, hein. Ils sont maintenant en couple et le bébé est en route. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour la suite. Et puis bah ma foi, ça part plutôt bien. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de quelle heure il est chez vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.